Je m'appelle Lucie Hübler et je suis conservatrice des monuments au sein de la République et Canton du Jura. J'ai la grande chance de travailler dans l'Hôtel des Halles, au cœur de la ville de Porrentruy, un magnifique bâtiment très très bien restauré. Je prodigue des conseils à la population. Rénover une maison ou même se lancer dans une petite transformation, ça peut faire peur. Donc j'essaye de rencontrer la population et puis de chercher des solutions avec elle pour que les projets puissent se faire sans détériorer le patrimoine. Et puis je suis aussi indirectement au service de la population via leurs conseils communaux et leurs secrétariats communaux avec qui j'ai énormément de contacts. Eh bien en fait, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est justement très très varié. Je peux autant être à mon bureau, répondre à des courriels, répondre au téléphone, faire des séances avec mes collègues ici à l'Office de la Culture, mais je vais beaucoup sur le terrain, sur des chantiers de restauration ou alors conseiller des propriétaires. Et puis il y a aussi tout l'aspect séance à l'extérieur, à Delémont, avec les collègues des autres services, mais aussi dans les communes, donc il n'y a pas de journée type. Mon travail me passionne, à vrai dire, parce qu'il est extrêmement varié. Tous les jours, mon emploi du temps est différent. Je rencontre des propriétaires, des artisans, des architectes, tout plein de collègues aussi de l'administration cantonale, de tous les services. C'est un travail vraiment passionnant. On a la chance d'avoir un canton aux dimensions humaines. On connaît presque tout le monde, on connaît les artisans, on connaît les architectes, on connaît les propriétaires. C'est une vraie chance de protéger le patrimoine dans un canton de cette taille-là.